Salut, c'est Myriam de Crapperie. Je continue mon défi climat. Le défi climat, pour moi, c'est vraiment changer ses habitudes, mais un peu à la fois, puis surtout les intégrer à notre quotidien. Je qualifie mon défi climat d'un beau défi en soi. Le premier geste que j'ai posé au début du défi, ça a été d'aller acheter une bouteille d'eau réutilisable. Je savais quel format je voulais. Je savais que j'en voulais une sans BPM aussi. Pour le compost, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été vraiment de m'informer sur le sujet. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un site internet après avoir vu la vidéo. C'est vraiment génial, elle explique vraiment comment on peut faire notre compost, puis justement, qu'est-ce qu'on peut composter, qu'est-ce qu'on peut pas, comment organiser son bac, puis l'installer chez soi. Essayer de penser à faire tourner le moteur de ma voiture le moins longtemps possible, c'est quelque chose qui est quand même difficile. J'ai quand même pris conscience qu'on fait plein de petits gestes. On s'attache, on ajuste nos miroirs, on place nos bagages à côté de nous. D'être prêt à partir puis ensuite de démarrer la voiture, puis c'est aussi simple que ça. Au cours des dernières semaines, j'ai dû aller à Montréal une fois. Puis j'ai regardé si c'était possible de me rendre en autobus jusqu'à Montréal. Puis avec les horaires que j'avais, c'était pas possible. Donc, j'ai dû utiliser ma voiture. Je me suis rendue, par contre, à la station de métro Radisson. Puis de là, j'ai pu me prendre le métro pour me déplacer dans le centre-ville de Montréal. Je me suis acheté une carte de métro que je vais pouvoir utiliser pour mes prochains déplacements. Un autre geste que je m'étais engagée à poser, c'est vraiment de convaincre ou de parler du défi climat aux gens qui m'entourent pour qu'eux, à leur tour, puissent aussi participer au défi. Les gens autour de moi réagissent quand même positivement. Ils voient ça de bon oeil, puis j'ai eu des encouragements également là, à participer au défi. Puis j'ai des gens aussi qui veulent participer à leur tour. Je suis Myriam et je veux réduire mes GES de 653 kg. Il est encore temps de relever le défi climat. Inscrivez-vous au www.deficlimat.qc.ca.